Cream Crackers de LKS. Taipan Special Butter Crackers aussi. Et Yes Cheese and Onion. Le biscuit Yes de LKS Cheese and Onion. Aujourd'hui dans Tiga Jack by LKS, nous préparons un tapas board et nous espérons tous les fans de football pour content. Alors, on commence avec le special cracker. Ça dépend combien d'invités sont dans la case, alors ne m'étonne pas personne. Un tapas board, c'est un board fun. Il y a un bite size gadget qui est dans l'eau. Et nous allons prendre d'après ça qu'il nous a envie, d'après nos goûts. Et là, c'est le biscuit Yes, chez un onion. Alors, ça boit ta passage, il est extra facile à faire, il ne prend pas le temps. Donc, on va servir nos bonnes crackers sur une base. Alors, si un match peut commencer extra tard, ça boit là, il prend juste 10 minutes pour faire. Nous servir nos crackers et biscuits Yes comme une base. Et là, ça qui nous est dans la case, une petite lasseuse, un petit pesto. Là, nous allons servir une base de pistache sur quelques nos bonnes biscuits. Nous allons servir mayonnaise ou bien préparer le petit lasseuse avec ketchup, mayonnaise, whatever, tabasco. Prêt à craquer avec les Cream Crackers LKS? Croquant et fondant dans la bouche, les crackers salés ou beurrés vous accompagnent au quotidien à n'importe quelle heure. Et là, on peut enchaîner avec un petit cube de pommes d'amour. Olives, un petit peu de poisson, nous capables de quelques poissons émiettés. Poulet effiloché. Ça nous capable de faire au feeling avec ça qui nous dans la case, pas nécessaire faire aucune cuisson. C'est un tiga jack à la minute, comme on nous dit. La queue d'oignon. Petite brunoise d'oignon. Ça qui compte un petit peu pimenté. Nous allons mettre un slice piment. Tomates séchées. Nous allons mettre quelques cubes de feta. Et voilà, même pas 10 minutes, le tapas plat est presque prêt. Pour mettre une touche fraîche, nous allons mettre un petit brin de côte au midi ou PSI à votre goût. Et le tout, nous allons mettre un peu de feuilles laitier aussi. Nous allons arroser le tout avec un petit peu de l'huile d'olive. Et pour terminer, je vais ajouter quelques cubes de mangue, vu qu'il est déjà en saison mangue, pour mettre ce petit côté sucré là. Et voilà, c'est prêt. Facile, fun et rapide.
un camarade qui vient de football aujourd'hui, je suis plate Tiga Jack by LKS Impré. Pour rappel, c'est un petit biscuit là, 100% local et facile, c'est venu dans beaucoup de préparation. Je suis un camarade qui vient. Bon match à tout le monde. Vos ingrédients et farines préférées, tout à portée de main. Facile à utiliser, les ingrédients LKS feront de vous des chefs pâtissiers. Nos gammes d'essence sont sans alcool. Essayez-les, vous allez en voir de toutes les couleurs.